Quand tu veux. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on revient aujourd'hui pour vous proposer un deuxième accompagnement en vidéo, car on a constaté que le Zoom, que le visio ne fonctionnait pas. Donc en attendant de vous retrouver en chair et en os, voici une deuxième proposition dansée avec le rythme soko, que peut-être certaines d'entre vous vont reconnaître car vous l'avez déjà abordé l'année dernière, en début d'année, mais en tous les cas je repars sur des nouveaux pas. Donc on va commencer par un petit échauffement avec de la musique. J'ai choisi le morceau de Balaké Sissoko et Vincent Segal avec le morceau Chambers. Donc je vais vous la faire une fois sans la musique, une seconde fois avec de la musique, et ensuite on va faire un petit échauffement avec la percussion, avec Yann et Boris, qui vont revenir tout à l'heure. Et puis on va cheminer pour vous accompagner au mieux dans la danse. C'est parti. On va reculer un petit peu, juste pour se mettre en mouvement. On va avancer 4 pas. 1, 2, 3 et 4. On va bien se poser dans le sol, bien répartir le poids, détendre ses épaules. On va les rouler vers l'arrière pour laisser s'ouvrir ici le petit espace. Tout relâcher, être suspendu par le sommet du crâne, détendez bien vos mâchoires. Et puis, cette petite routine, je l'installe, mais on ne la fera pas tout à l'heure. Juste vous vous chauffez un petit peu partout, vous vous malaxez, comme on fait dans le cours de danse, vous prenez de la chaleur dans les mains, et puis vous passez partout sur le corps, le visage, les yeux, les cheveux, le crâne, le cou, la poitrine, les lombaires, les cuisses. Vous vous frictionnez, vous vous malaxez en pensant que vous vous faites du bien. Ensuite, vous prendrez le temps de mettre vos petites mains comme ça, les deux, et puis vous allez percuter partout. Partout, partout, partout. Si vous sentez des petits points de tension, moi j'en ai un là par exemple, sur le périforme, ben je vais un petit peu plus insister. Ben là, c'est vous qui vous connaissez, qui ressentez et qui éprouvez. Donc, on a fait tout ça et on va commencer tout simplement par le regard. On va regarder une fois à droite et on revient. Une fois à gauche et on revient. Une fois en haut, sans casser la nuque, et on revient. Et avec le menton, une fois en bas et on revient. On va faire ceci deux fois. Ensuite, on va faire demi-plié léger. Ouvre les bras, inspire, grandis-toi, allongé. Je me mets de profil pour vous montrer. Je vais pousser sur mes pieds pour m'étirer comme un roseau. Je vais aller chercher loin devant. Je relâche complètement le poids de la tête. Je vais là où je vais. Ne forcez pas, c'est ça que je veux dire. Vous relâchez complètement la tête. Vous allez changer le regard et juste regarder devant vous. Pensez à bien étaler le poids sur l'ensemble des pieds. Tu relâches la tête, tu vas avancer tes genoux en veillant à bien garder les genoux au-dessus de tes orteils. Tu poses bien tes mains en parallèle sur le sol pour t'appuyer sur tes deux mains et tu recules le pied en fente. Rappelez-vous de l'angle droit, tu vas venir te poser ici, tu laisses le poids faire le travail. Si tu sens que c'est un petit peu difficile, tu peux délicatement poser le genou et profiter de cette posture. Tu respires. Je vais venir poser mes deux mains au sol et je vais venir fabriquer une planche. Pensez à bien pousser le nombril au fond du ventre. Gardez bien les épaules au-dessus des mains. Faites un angle droit avec vos poignets. Restez ici, gainez, respirez. Tranquillement, je vais venir déposer en ouvrant mes coudes sur les côtés. J'ouvre les coudes et je relâche. Je vais venir déposer, allonger les orteils, puis mettre mes mains, les ajuster au niveau de mes côtes, puis inspire, repousse le sol, expire, plie les coudes. On va la faire deux fois, inspire, expire. Je vais venir recrocheter mes orteils sur le sol, m'appuyer sur les mains, je vais plier au niveau des hanches, et je vais monter en pyramide, chien tête en bas. Vous pouvez rester sur la surface totale des coussinets, les orteils, vous pouvez garder les talons décollés, allez bien dans la pliure profonde des hanches ici, et vous
creuser, vous fabriquez un petit toboggan avec le dos. Puis, je vais venir amener le pied à l'intérieur, l'autre fente, de l'autre côté. Du coup, je me mets devant, dans votre sens. C'est comme tout à l'heure. Je vais pouvoir venir m'appuyer. Si je trouve que c'est difficile, je vais poser le genou au sol et je reste. Pensez à bien détendre vos épaules. Éloigne les oreilles des épaules. Quand j'ai terminé, je vais venir reposer mes mains au niveau du sol et j'ajuste bien sûr. Et je vais venir à nouveau tête en bas. Avant de remonter, je vais amener le genou droit au-dessus de mes orteils. Et je reviens. La même chose de l'autre côté. Et je reviens, puis je plie mes deux genoux. Et tranquillement, je repousse le nombril. Je rentre le bassin, je rentre le coccyx, je rentre le pubis pour venir me replacer vertèbre après vertèbre. Voilà, je vais vous mettre une musique et on va le faire ensemble. C'est reparti. Au-dessus des orteils.
première partie, on va attaquer la deuxième partie. Vous pouvez reprendre chez vous tranquillement plusieurs fois la même variation. Et on va guider progressivement la musique. C'est parti. C'est parti pour la deuxième partie. Alors la deuxième partie, les filles, vous allez suivre comme en cours. Je vais tâcher de tout commencer à gauche, comme ça vous, vous commencez à droite. Et puis après tout, c'est pas grave, gauche, droite, vous rentrez dans le move. Tous les petits steps, vous les connaissez, on les reprend. Je me mettrai des fois face à vous, dos à vous. Faut que ça vive et puis c'est vivant de toute manière. Donc voilà, on va se tromper, mais c'est pas grave, que ce soit vous ou nous. Donc on fait un petit coucou à Yann et Boris qui sont avec nous ce soir. Et derrière la caméra, c'est Nico, c'est parti! À vous! Thank you.
Soko, que nous allons aborder ensemble, en vrai, quand on va se voir. Mais pour se préparer et continuer à garder le contact avec vous, je vous propose un enchaînement de petits pas sur cette danse. Je vais vous les couper un par un. Je vais les faire en très très lent. Vous décomposez la partie, puis je vais l'enchaîner sans la musique, de face, de dos. Et ensuite, on va faire la même chose avec un appel et la musique. Et on va faire ça pour chaque pas, jusqu'à la sortie finale. Et enfin, on prendra le tout et on va enchaîner. Comme ça, vous pourrez facilement revenir en arrière, revoir un pas, les avoir en séparé, etc. C'est parti pour le pas numéro 1. Donc, pas encore de contexte, ni culturel, ni géographique. L'idéal, c'est que je vous mette une carte, mais allons avec nos moyens. Allons sur la danse et nous verrons ensemble, pendant les ateliers, d'où ça vient, etc. Ça va se décomposer en 2x8, le premier pas. Donc le premier, tu vas commencer, toi avec la droite, moi avec la gauche. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour les bras, à chaque fois que je vais lâcher le poids de mon corps, je vais laisser mes coudes monter. Ça va faire ouvre, ouvre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous montre la même chose de l'autre côté. Donc pour vous, c'est toujours à droite. Là, je vous le montre à droite. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a bien 3 petits pas. 3 petits pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va le faire 4 temps. Une fois seulement. Ça va faire pardon. Une fois que j'ai fini, je vais arriver exactement comme ça. Eh bien, on va reprendre un pas que vous connaissez déjà et on va montrer nos épaules au percussionniste. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Je tombe sur le pied droit. Je fais l'enchaînement en démarrant à droite, juste la première partie du pas. 1, 2, 3, pardon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous le montre face à vous. Moi, je vais commencer à gauche. Et vous, c'est comme un miroir, quoi. Je suis votre miroir. 5, 6, 7, partons. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4. Je le fais tourner en 8. Partons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Première partie, tu commences à droite. Deuxième partie, tu commences à gauche. La première partie, quand tu tombes avec, tu montres tes épaules. La deuxième partie, tu appelles le musicien. Tu lui dis, allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Il n'y a que ça qui change. Donc, vous allez commencer à gauche, la deuxième partie du pas. 5, c'est le même démarrage, la même structure. 5, 6, 7, partons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je vous le fais de dos, ça va faire démarrage pour vous à gauche, la deuxième partie du pas. Partons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De profil, 5, 6, la deuxième partie, je rappelle. 5, 6, 7, partons. Et 1, 2, 3, 4, viens, 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 viens. Le temps fort sur le pied gauche. Maintenant, on va tout faire. Vous allez démarrer à droite, je vais démarrer à gauche. Première partie. Apelekeketeken, keten, ken. Pa, pa, pebem, pebem, pa, pa, pa. Désolé, on craque. Mon esprit, il inverse tous les pas. Ok, c'est bon pour moi. On repart. Apelekeketeken, keten, ken. Pa, pa, pebem, pebem, pa, 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 pebem, pa, pa.
bébem, bébem, pa, 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 bébem, pa, pa, bébem, bébem, pa, 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 bébem, pa, pa, bébem, bébem, pa, pa, pa. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous êtes bien à droite et vous me suivez. Avec la musique. Pas numéro 1 en 2x8. Je commence à droite et je finis à gauche. Pareil, c'est un pas qui se compose en 8 temps. Je vais me mettre bien en parallèle. Vous n'oubliez pas les placements, les filles. Vous pouvez l'exercer dans un petit endroit, il n'y a pas de souci. Je vais relier mon coude et mon genou. Donc là, ça, vous, ça commencera à droite, mais moi à gauche. 7, 8. Ça fait 1, 2. Je pose. Quand j'ai posé, je vais faire... Sors le sternum et rentre le sternum. Si je le fais de profil, ne collez pas vos omoplates. On verra les précisions ensemble, rentrez dans la rythmique. Ça va faire, je sors et je rentre. Je creuse, je sors le sternum et dos rond. Le dos rond au niveau de la ceinture scapulaire. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. C'est bien le démarrage à 8. Hein. Si je fais l'appel, pelakaketeken, keteng, poupoum, pa, pa, poupoum, poupoum, pa, 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 poupoum, pa, pa, poupoum, poupoum, pa, 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 poupoum, pa, pa, poupoum, poupoum, pa, 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 poupoum, pa, pa, poupoum, poupoum, pa, pa, pa. La même chose, je vous fais de dos. Donc tout à l'heure j'étais en miroir, là je vais le reprendre à droite. Pour vous, il démarrera bien à droite le pas. Je me place sur largeur de mes épaules, le poids légèrement en avant, le coude et le genou qui montent ensemble. Ça démarre à 8. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Tic, tac. Je vous le refais une fois de dos avec la musique et la tête. Pelekeketeken, keten, pipim, pa, pa, pipim, pipim, pa, 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 pipim, pa, pa, pipim, pipim, pa, pipim, pa, pipim, pa, pa, pipim, pipim, pa, pipim, pa, pipim, pa, pa, pipim, pipim, pa, pipim, pa, pipim, pa, pa, pipim, pipim, pa, 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 bibim, pa, pa, bibim, bibim, pa, 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 bibim, pa, pa, bibim, bibim, pa, 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 bibim, pa, pa, bibim, bibim, pa, 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 p
tidi, 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 tidi. Voilà. En musique. Je vais vous le démarrer de dos et je viendrai à la face après, histoire de changer un peu. Gardez l'énergie, le lien avec nous. Alors je vais vous montrer, je vous rappelle comment il est, le pas. Je vous fais le truc, mais genre en tout décomposé. Comme ça, chez vous, vous prenez bien le temps de vous entraîner. Et après, je vais l'enchaîner, puis je vous montrerai la dernière partie qui est le break. Allons-y pour le pas. Vous commencez à droite. Demi-plié, placement du corps. Le poids sur l'avant des pieds. Alignement articulaire. C'est important pour gagner dans la vitesse. Détendez bien vos coudes, vos épaules, vos doigts. Je commence à droite pour vous. Droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Je suis désolée, mais je chante à l'envers ce que je fais pour vous permettre de suivre. Mais je pense que vous avez compris. Ça fait droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Mes bras. Donc je les place ici. Je vais venir être en contact avec la terre et le ciel. Le ciel, la terre. La terre sous mon ventre, sous mon nombril. Et le ciel juste au-dessus du sommet du crâne. Mes bras vont ne faire que ça. Ça va faire droite, droite, gauche, droite, et gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Maintenant, si je fais que les bras, ça va faire 1, 2, tu ouvres, 3, 4, et tu les fais se traverser. Du coup, là, tu as fini ton cycle. Tu reprends gauche, même placement. Tu ouvres tes bras, ça se passe au niveau des attaches de l'épaule et des coudes, et ça dessine des cercles. Donc j'ouvre, mes mains se croisent, vous pouvez vous amuser à les clapper pour vous entraîner, et je reviens. Donc pour vous, ça fait droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Je ne clappe plus mes mains maintenant. Mais tu vois, c'est une moulinette qui va s'entraîner. Je vous l'ai montré en décomposé. Je vous propose maintenant d'aller avec dans la musique. On va commencer lentement et on va chauffer avec. Comme ça, tu vas t'entraîner un petit peu. Parce que je te rappelle que c'est un pas de chauffe. Et c'est parti avec Boris et Yann. J'ai deux téléphones qui sonnent à la suite. Cette blague. Au revoir. Chauffe ? Oui, lentement et on progresse avec. Ça marche.
Je le fais une fois à la face et une fois je vais me mettre de dos. 5, 6, 7, partons. Et 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4. Et 5, 6, 7 et 8. Je le fais une fois de dos pour être du même côté que vous. Donc à droite. 1, 2, 3. Et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ceci est la première partie. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie. Je vais vous la montrer direct de dos, celle-ci. Tu vas faire 4 pas en reculant. En étant, vous vous rappelez le petit lutin dans la forêt, on avait vu ça. Donc là, je vais aller vers les musiciens et je vais reculer. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. À 5, tu ouvres et je repars. 5, 6, 7, pas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu croises. On reprend. 5, 6, 7, pas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu croises. Donc 6, 7, 8 et 1. Et là, tu te crois à Broadway. Tu ouvres sur le temps final. Je le fais une fois face à vous. Et je vais donc commencer à gauche. Juste la deuxième partie. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Je vais coller les deux. Toujours à droite et moi à gauche. 5, 6, 7, partons. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4. Et 5,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On va s'entraîner, on va le faire plusieurs fois. Je vais me mettre dos à vous. Et on va le faire avec Yann et Boris. On va le faire plusieurs fois. Hein. Juste break.
prenez soin de vous. Merci à toi. Kenavo.